à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sandra et j'en suis à ma deuxième semaine de coaching avec Julie et Meryl. J'ai trouvé en Julie et Meryl une écoute, une prise de conscience. Moi qui pense toujours aux autres, qui me fait des soucis un petit peu pour tout le monde, que ce soit bien au niveau de ma vie privée que de ma vie professionnelle, et bien là, oui, on me consacre du temps. On se soucie de moi, on m'écoute. Et c'est très important pour moi. Julie, mon coach sportif, me fait découvrir à travers ses séances de sport mes émotions internes, en fait, une force. Voilà, et à chaque fois que je fais une séance, notamment quand on a fait les coups de poing dans les pattes d'ours, là, j'ai vraiment ressenti, en fait, cette force qui était... au fond de moi. Meryl, mon coach bien-être, elle m'a fait prendre conscience en fait de mes émotions intérieures, d'où mes kilos émotionnels, hein, voilà, qui s'accrochent comme ça à mon corps. Et je pense que pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, en fait, il faut se connaître intérieurement. Il est important de ressentir en fait plus profond de ces entrailles là, ces émotions, ce qu'on peut ressentir, sa tristesse, sa colère, son injustice. Donc ce que je peux retenir en fait de ces deux coachs, c'est qu'en fait c'est à nous de créer son propre algorithme de vie, en y mettant nos émotions, nos envies. Voilà, pour moi, ce coaching me fait vraiment découvrir l'intérieur, en fait, mes émotions. Voilà, en fait, être acteur de sa propre vie. Voilà, c'est ça, en fait, être acteur de sa propre vie. Voilà. Toutes ces émotions qui viennent en fait de ce deuxième cerveau, et ce deuxième cerveau qu'on appelle le ventre. Et pour nous, les femmes, voilà, c'est ce ventre important, ce ventre qui porte la vie, ce ventre qui peut nous faire renaître. Voilà, voilà, en gros, c'est ça. Voilà, bah écoutez, bisous à tous, et puis merci Julie et merci Meryl. Je vous fais de gros bisous.